Salut tout le monde et bienvenue pour le sixième épisode de ce Let's Play Pré-Frontier. Donc à notre habitude, nous allons commencer par quelques évolutions. 4 étoiles cette fois-ci. Donc théoriquement c'est toi que vous voyez là, le Cerber, la licorne et la méduse. Bon, la méduse il me manque... C'est quoi déjà? Il me manque une nef. Donc on va essayer de trouver une nef. D'abord. Alors, let's go. Mistral. Il du monstre. Essayer manipulateur obscur. Espérant du premier coup. Décalage de sang et de... Ok. Ok, bizarre ça. Bizarre. Bon, on va terminer sur ça, même si on... Y'a pas les... What the fuck? Bon. On reprend cette nef. Allez, c'est trouvé. Bien joué, la chance. Ah, je crois que ça s'est remis. Ah, ça s'est pas remis. Quel est fuck. En plus, on a plus avec du bannier. Ah, sans déconner, je suis pas sûr. On termine. Désolé, franchement, désolé pour le sang décalé. N'importe quoi. C'est une première donc. Allez, let's go. Faut que ça se termine. On est déjà au boss. Ah bah ouais. Bizarre. On va faire une ellipse. Re tout le monde, donc théoriquement c'est terminé. Enfin espérant. On va faire un petit dernier match. Allez, espérant une nef. Jouer avec un immunité quoi. Mais comment il s'appelle lui? Herz. Ersatz métallique. Ok, imitez pas pour métallique, c'est très bien. C'est très bien comme nom. Alors. Ah, voilà. Voilà. C'est impeccable. Bon. Nef, le sur-nef, espérant. Un imitacop doré. Qu'est-ce que je fais? Un imitacop. Ah, il se prend comme des gars. Allez, une petite nef, ça serait bien. Sans déconner.
une. Ah. Est-ce que tu vas me faire plaisir ou... Bon. Bon, bah elle voulait pas venir, elle voulait pas venir. Comme la dernière fois, c'est magnifique. Ah, quand ça veut pas, ça veut. Mais il fait mal de base ou pas? Ah ouais, quand même. Ça fait ce point de vie, mais... Je crois que c'est 50 points. Bon, bah, ça fait rien, Médusa. On va pas t'évoluer. On va te changer, voilà. Ouais, bah, on va te changer. Allez, let's go. Donc, évolution. Évoluer. On va commencer direct par. Zegar, hein. C'est bien ça, faut pas que je me trompe de nom. Zegar, la bête Zegar. Allez, let's go. Zegar enragé. Zegar, ce que j'aime bien, il y a 5 étoiles, ouais. Son niveau max 5 étoiles. Bientôt 6 étoiles, enfin j'espère. Donc ça va roxer. Alors, les Cerbères. On a dit Cerbère, on peut pas. Purée. Ah, je fais que de la merde. Non, ça fait rien. Bon, Cerbère, peut pas. J'aurais dû faire Cerbère. Ah, je peux pas. Ça, théoriquement, je peux pas. Il manque l'idole. Ok. Bon, ça, je peux le faire, moi. Bingo. Donc, de la licorne, on va passer à Pégase. Et ça, j'en suis sûr. C'est déjà ça. Pégase, fusion. Est-ce que j'ai un cristal? Cristaux d'eau... j'ai pas de cristaux. Oh. Parce que théoriquement... C'est un autre fusion, hein. Si je dis pas quand même. Ouais. Ouais. Bon. C'est un peu du gâchis, mais... Allez, je vais lui donner. Par contre, je crois que c'est pas que ça le compte direct niveau 40. Ah, si, tant mieux. Évoluer. Attention. Boum. Comment il s'appelle? Remouille. Ça va être bon. Alors. Fusionner, on va l'augmenter un peu parce que niveau 1 c'est pas le top. Allez, on va augmenter le bébé en même temps. Donc oui, c'est magnifique comme je me suis fait. Je vais pas pouvoir avoir une équipe full 4 étoiles. Ouais bon, bah, j'ai déjà 3 persos, ce qui est pas mal. Niveau 5... Ah ouais, maintenant ça donne que 2. 1, 2, 3. Allez, au moins niveau 10, 12, ça serait bien. Ah, ça c'est bon. Great success. 19. Ouais, ça. C'est pas le top, mais ça. Non, pas village. On va faire une équipe vite fait. Alors, Cerberte.
difficile. De lumière, ce sera pas bon. Déjà qu'une lumière, je le sens mal. De l'eau? On va partir pour eau. Donc. C'est un peu chier, j'ai pas pu faire les autres évolutions, mais bon. Donc, les nouveautés de la semaine, vu qu'il y en a. Donc, la tour profane, pour avoir donc le chevalier. Le chevalier là. On ne sait pas plus comment il s'appelle. Alors. Chevalier des ténèbres. C'est quoi son nom déjà? Attendez deux secondes. Xénon, voilà, pour avoir Xénon, je l'ai fait donc sur mon autre compte. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est facile à dropper, mais dans les 70 à 100, dans la tour 70, 80, 81, 90, 91, 100, vous le droppez obligatoirement. Après, dans les premiers, j'ai essayé, ça fait que dalle. Voilà. Donc, pour cette vidéo, j'avais prévu donc de faire un boss de la zone, Tour de Morgan. Allez, let's go. On va prendre Mathéo. Alors c'est la quête. Bon. Bon. Donc le boss de la zone c'est Abaddon. Abaddon c'est un type ténèbre, donc théoriquement les lumières sont déconseillées. Bon, c'est un type émulé. J'espère que ça va passer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Abaddon? Abaddon utilise des AO presque à chaque tour, donc c'est un peu chiant. De ce que je m'en souviens, il n'y a pas. Enfin, il fait pas de malédiction, ou de quoi que ce soit. Et on peut trouver une peau de sang. Une peau de sang qui sert à la fabrication de sphères. Lesquelles? Je sais pas. Mais juste des sphères Ah, on le fait ou on le fait pas? Ah, je vous chie. Allez, vas-y, on tente. Bon, ça va, c'est une limite à quoi. J'ai vu que c'était les imitacops, c'est bon. Je peux me faire ici. Ouais. On va attaquer le Boulders. C'est pas ça. Ce que j'aime bien avec Réumé, c'est que son Viper, ça augmente si je dis pas de conneries, le taux de CC avec des sparks. Vu que je suis beaucoup comme spark, ça me sert strictement à rien. Je viens de remarquer ça là, à l'instant. Comment faire des sparks alors? Bon, un spark. Et je vais pas aller loin. Pardon. Je sais pas ce que j'ai. Petite. J'aimerais bien avoir le pirate craft en anima. Là il veut pas sortir. Alors tour 5. Ah. Plante pas. Ah, donc re les amis. Ça avait planté, effectivement. C'était pas cool du tout. Oh.
Ça va être pour 5 tours. C'est pas si grave que ça. Vu que ça va tomber directement là-dessus. Alors. On arrive petit à petit à Abaddon. Espérons ne pas crever. Théoriquement, ça devrait aller. Let's go. 7. Bon, ça fonctionne. C'est reparti. Bon, cette fois-ci, là, j'ai gardé les Brave Burst, on aura bien un petit boss. J'ai cru. Par rapport au nombre d'unités. Ouais, mais ça c'était. Eh oui. J'avais complètement ça. Plus. Enfin, l'homme lézard, là, après, sacré. Alors, le boss. Abaddon. Le démon Abaddon. Ténèbres. Alors. Il peut faire malédiction. Ça va me faire chier. Ça va vraiment faire chier. Oh. Est-ce qu'on va réussir à tuer? Ah, j'aurais dû prendre des. Ah, j'ai mal fait. Bon. On a tous droit à une deuxième chose. Bon, je vais quand même faire tout pour gagner. Allez. Ah, il fait mal. Vas-y, attaque plus deux fois aussi. Bon. Enfoiré. Game over. Bon. Pas d'équipe lumière. Enfin, pas de personnage lumière, direct. Alors. Alors, gérer équipe. La lumière en dit non. Est-ce qu'il peut se faire empoisonner? On va tester. On va tester le poison. Et ça, c'est. Taux d'apparition de cristaux. Oui, bon, le Cerber, désolé, on devient vrai. Les surprobables. Ça c'est affaiblissement.
Allez, vu qu'il y a 1000 d'attaque, on va partir sur ça. Donc je fais une ellipse jusqu'au boss et je vous reprends là-bas. Heureux les amis, donc je suis en 9ème combat sur 10. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais comme con? Voilà. Bon. Espérons gagner. J'aurais pas dû l'ouvrir. Bon, oh, ça fait rien, moi, presque rien fait. Alors, de nouveau à Bazon. On va y aller. Bizarre, il a fait pas le. Alors, bon. Je sais même pas si je l'ai blessé ou un truc comme ça. Ah, ça c'est bien. Donc je peux réduire ses dégâts de 50%, ça c'est très bien. Donc on empoisonne, mais je pense pas. Par contre, on va se calmer un peu. Sans déconner, mais pourquoi il attaque ça, ça. On va passer un peu ça. Encore, s'il te plaît. Yes. Bon, je pense que là c'est gagné. Je vois pas comment il pourrait faire chier. Ouais, peut-être avec que des critiques. Ça sera défensif. Oh, c'est bon, c'est pas. Ah, c'est si, le. Congratulations. Eh ben voilà. Il y a un deuxième boss de fait. J'ai 20 d'énergie. Oh, on va se terminer quand même sur le. Non, on va changer. Non, c'est vrai. Cinématique. Blablabla, moi aussi ça va. S'inquiéter, épuisé. Merci, au revoir. Ah non. Donc, Lucius. C'est Lucius. On ne sait plus comment il s'appelle. C'est le poule verte qui va nous parler. Lucius! De retour! Dieu du portail. Découvrir de nouvelles terres, donc théoriquement on la prochaine terre c'est Saint-Lamien, et à Saint-Lamien je me rappelle plus si on peut dropper de bons trucs. Ouais, que je voyais ça. Donc en délicat je sais qu'on peut dropper donc tous les, enfin, Mifune, Luna, Zegar, qui d'autre, Waze. Et je me rappelle plus. En tout cas, on peut trouver le bon perso. J'ai essayé en off, pas réussi. Deux drop vraiment bas. Dommage. C'est dommage. Bon, de toute manière, j'y arriverai. J'y arriverai un jour.
On va en dropper au moins un. Bon. Il nous faut quoi déjà? On va prendre le voilà. Et Médusa. Et où? Médusa. Ok, donc lui il faut. Il faut le feu. Non, on va quand même faire la méduse. J'aimerais bien faire la méduse quand même. En plus, c'est facile. Manipulateur obscur. Bon, là, ça se passe, on s'en fout. N'importe qui. Alors. X3. Allez, une petite neige. Sinon je pète un plomb. C'est pas compliqué, une neige. C'est théorique. Ah lui il me fera chier partout. Ah dommage. Sur cette lancée avec vous, je fais une ellipse. Je pense que je vais faire une ellipse. Ça sera pas un épisode trop grand. Ouais, allez, je vais faire une ellipse. Ça va voir. Moi qui voulais vous montrer donc, le vortex. Malheureusement, je pourrais pas là. J'ai envie de vous montrer quand même les épouses. Donc, je vous laisse ici. Et à tout à l'heure. Et re tout le monde. Donc, ça y est, je l'ai eu. j'ai eu une nymphe. Une nymphe là, elle est ici. Donc je vais faire double évolution en essayant pas de me foirer cette fois-ci. Alors, elle est où? Ici. Donc Médusa évolue en... Je connais pas son nom. Alors, Zach. Ok. Qui évolue donc en un autre truc. Bon, on a vu que ça servait à. Il faudrait que je. Est-ce que j'ai un autre tuto? Je peux pas. Je peux pas l'utiliser. Non. Zach. Allez, pour une fois, je vais utiliser le doug. Alors, 40, oui, je vais évoluer. Elle évolue en super rare. Ah, joli, j'aime bien. Ou pas. Lulu-chan. Et on va lui donner donc. Est-ce que j'en ai dropé? On sait jamais si ça augmente le bébé. Merci.
Ok, d'accord. Eh, hey, Vom Trigger direct. 46 sur 60. Elle a pas mal de défense, mais. Ah, l'attaque, c'est bobo. Elle peut empoisonner les ennemis. C'est attaque de zone ou mono-cible? Mono-cible. Ouais, j'aime bien. Le poison, c'est toujours bien. Est-ce que lui, on peut évoluer? Le petit squelette? Je ne pense pas. On sait jamais. Non. Il me manquait un truc. Bon. Donc voici donc les trois nouveaux héros, Ulquina, Kula et Narza. Je connais pas, je crois que ce sont plus des supports, les trois. Bah en tout cas ils ont bien la classe, malheureusement. C'est pas pour nous. Enfin, pas pour moi. Allez, 5 évolutions, c'est parti. Première. Squelette. Anima. Deuxième. Remia, je l'avais déjà. Faudrait que j'évolue un jour. Troisième. Allez, un bon Mifune. Je veux ce Mifune. Ok. Toujours pas. Ou un start, un starter, ça serait bien. Lancelot ou un truc comme ça. Medusa. Bon, moi ça va augmenter son body burst. Et le dernier d'aujourd'hui. Attention. Ok, une F de foudre. Bon, bah, pas terrible. Pas terrible du tout. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. On a eu pas mal d'évolutions. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres évolutions. Donc, j'ai encore le Cerber à évoluer. Et je pense que cette team sera bien. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les likes, les commentaires, tout ça. Surtout les commentaires. Quelques défis si vous voulez. Ciao, ciao.